Coucou YouTube, bienvenue, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les Speedy FR. Et aujourd'hui, on a une petite forte fusion titanium. Et aujourd'hui, nous sommes en bac. Balam balam bam bam. Donc bac, pour résumer, police en civil, hein, fin de l'histoire. On a un petit skin à faire. Et comme d'hab, les add-ons seront en description pour ceux qui veulent modder leur jeu. A noter que crash possible, online impossible. C'est joli, on dirait un slogan d'homme politique. Votez pour moi. Crash possible, online impossible. Votez David Park aux prochaines élections. Alors voilà un petit peu la bête. C'est bon, on va pas se mentir. C'est quand même une voiture assez sympa, compatible ELS. Voilà, voilà, voilà. Les plus fins d'entre vous auront repéré la rampe en dessous des portières. On rentre à l'intérieur. Tac. Intérieur. Un peu déçu de l'intérieur, je trouve. Dommage, les rétros sont pas faits. Le truc là, il est un petit peu bugué, mais on s'en fout. Parce que, d'ailleurs, on a un ordinateur de bord à l'intérieur, mais il sert à pas grand chose. Police, affiche, je sais pas quoi. Bref, regardez-moi ça comme c'est joli. Petit gyro, enfin, petit doton. Voilà, donc version française. C'est. Bah, c'est tout simplement la version FR. Après, on a ça. Le petit J, donc où ça allume sur les côtés. Hop là, et hop là, voilà. Et donc là, ça explose de partout et elle est vraiment magnifique. On a des gyros au niveau de la plaque. Tac, tac, tac. Donc là, on est en code 2, enfin, ou en code un petit peu rapide. Et là, on est en très rapide, comme vous pouvez le voir. 0, donc là, il n'y a rien qui clignote. La version 1, où donc ça clignote sur les côtés et au niveau de derrière, donc une version un peu cool. Version du dessus, ça clignote devant. Version du dessus, épileptique. Voilà. Donc assez sympa, la rampe en dessous est vraiment magnifique. Avec les feux qui clignotent de tous les côtés, c'est assez ouf. Voilà. Voilà un petit peu pour l'idée. Elle est pas mal skinner, la voiture. Elle est vraiment magnifique. Tatou. Tac, voilà, et je coupe tout, elle est vraiment magnifique. Merci Viper, elle est superbe même. Donc du coup on va pouvoir patrouiller un petit peu avec. Et on va voir ce que ça donne, et sur Arma 3 la bagnole là ce serait le feu hein. Zorak, si t'es caché quelque part et que tu sais pas quoi faire de tes 3 prochaines semaines. Elle est jolie, ça fait. Il y a un petit air de Fort de Mondeo, mais en plus classe. Je sais pas, je la trouve plus jolie qu'une Fort de Mondeo. Allez, on est parti pour la patrouille. Du coup, on va faire notre prise de service. Oscar pour bac, prise de service. Bac 62. Ok. C'est reçu pour. C'est reçu pour bac 62. Bac 62 sur le départ. Attendez. J'ai oublié ce que c'était. Attendez, c'est quoi déjà? Cela, il y a ELS. Attendez! C'est bon! J'ai bac 62, c'est parti. Voilà, c'était G. Bac 62 sur le départ. On part donc sur un braquage dans une sorte de supérette. C'est tellement stylé. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu. En avant, avec les petits gyro FR. Hop, voilà. On arrive, on va demander des renforts. Hop là, et en espérant que ça ne crache pas. Ok, arrivé sur les lieux, je coupe les gyros. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, bac 62 arrivé sur les lieux. Au niveau du braquage de station essence. Une voiture rouge est en train de prendre la fuite, je pense. Les renforts sont en train d'arriver. Bac 62 se place. Besoin de renforts sur la position. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air calme, il n'y a pas d'agitation devant. Les renforts sont en train d'arriver. Parfait, les renforts sont là. Bac 62 s'approche. Éloignez-vous, messieurs. Éloignez-vous, il y a un braquage en cours. What? Attends. Oh. Faites attention, la population est assez difficile. Braquage en cours. Bac 62 s'approche. Est-ce qu'il y a des braqueurs? Ah oui!
Ok, il y a un individu armé. Faites gaffe. Coup de feu, coup de feu. Coup de feu, coup de feu. Coup de feu, faites attention, plusieurs individus armés. Je passe sur le pont. Ouf. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Reset it style because the custom skin. Ah, c'est parce que j'avais un skin personnalisé. Et c'est vraiment incroyable. LSPDFR, les gars, faites attention à vous. Parce que c'est un bordel. Alors là, on est vraiment en bac, là. Alors, ça m'a réinitialisé la mission. Parce que j'avais un skin personnalisé. C'est bizarre. Donc ça, c'est les collègues. Alors, attendez, on va pouvoir retourner au commissariat pour se restuff. Parce que moi, je veux absolument le skin back. Mais j'ai l'impression que suivant les skins, ça marche ou ça ne marche pas. Je viens de me faire... À moins que quelqu'un se connaisse la commande pour me giver le skin. Sinon, on est de retour pour le commissariat. Parce que je me suis pas fait chier à installer le skin back pour rien. Allez, on retourne au commissariat. On va surfiler le skin back. Parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas jouer avec. Donc, me demandez pas ce qui s'est passé. Ça a mis que vu qu'on avait un skin personnalisé, ça nous a reset. Donc, à mon avis, certains plugins d'LSPDFR, on va se garer là, ne sont pas compatibles avec... avec certains scripts, je pense. Je pense qu'il y a un truc comme ça, à mon avis. Alors, hop, on re-rentre. On va refaire... on va aller rechercher des habits. Voilà, donc là, j'ai fait off-duty. Je suis plus agent fédéral. Hop là. Et en fait... Et si! C'était une blague! Ah, on fait du rab, hein. On fait du rabio. Non, j'ai pas testé Conan, Alex. J'ai vu sur Twitch, il y a pas mal de streamers ricains qui ont testé ça. Mais non, j'ai pas testé Conan. Je pense qu'il faudrait que je fasse le tri dans mes call-out. Parce que j'ai un call-out avec les voitures de police volées qui est complètement buggé. Parce qu'à chaque fois, je bug dessus. Tac, tac, tac. Et j'ai un call-out qui est pas dispo avec les voitures modifiées. Donc c'est un peu bizarre. Un peu bizarre parce que d'habitude, ça pose pas de soucis. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. D'habitude, ça pose pas de soucis. Bon, allez, hop, on est reti par. Non, bon, vous avez vu, ça prend pas longtemps. Mais c'est toujours casse-couille en fait quand ça marche pas. Donc les deux commandes à connaître sur LSPDFR, c'est Reload All Plugins et Force Duty. Mais au niveau des skins, je sais pas comment ça marche pour se filer les skins par contre. Je ne sais pas trop comment ça marche. Alors, on va patrouiller un petit peu. Je sais pas si au niveau de la radio, si c'est bon. Je fais ma prise de service. Oscar, back 62, reprise de service. Alors vol de voiture, c'est un petit peu bugué. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un vol de pétrole. Enfin, vol de station essence. On est parti. Hop là, en avant. Donc là, je suis en code 2. Donc avec les uniquement les gyros. Et si je veux... Attendez. Je fais ça. Et... Ta ELS, c'est un bordel quand tu connais pas. Voilà, et ça. Donc là, je suis passé en code 3. Allez, hop. On va vite se rapprocher, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on a une vol d'essence dans une station essence. Et en même temps, en modifiant mes call-outs, ça permettra d'avoir des missions différentes. Donc voilà. Allons voir. Elle est tellement belle, cette voiture. Avec les rampes en dessous et tout, c'est ouf. Ok. Bac 62, arrivé sur la station essence où il y a eu le braquage. Non, c'est J. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est J en fait. Le J est dispo que sur le gros code. Arrivé de bac sur la station essence, on va aller voir ce que veut le monsieur. Tac. C'est quand même plus stylé avec le skin. Je pense qu'on est... Je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas photo là-dessus. C'est beaucoup plus joli avec le skin back quand même que juste en mode... comment ça s'appelle? Que juste en Franklin. C'est bon, Franklin il est joli, hein, il n'y a pas de photo... Enfin, pas de doute là-dedans. Hein. Mais bon, ça reste dommage. Bonjour monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Police, j'ai besoin de la police, je viens juste de me faire voler de l'essence. Please, tatati, faut les attraper. Alors, c'est un rancher gris, silver, très bien.
La plaque est, alors ça je vais noter, 883 Oscar Charlie Whisky 456. Ok. D'autres informations à transmettre? Peut-être une direction de fuite? Ok, ça marche. Pas de soucis, je vais aller voir. Je vais transmettre à Oscar. C'est bon monsieur, j'ai compris, je vous remercie. Bonne journée. Donc on cherche une voiture grise Rancher X. Je sais pas du tout ce que c'est comme bagnole ça. On va transmettre à Oscar. Oscar pour BAC 62. Je suis à la recherche d'une voiture immatriculée 83 Oscar Charlie Whisky 456 dans mon secteur. Dans le secteur de la station essence. On va donc aller voir où il est. Et nous allons le récupérer. Alors on va juste chercher 456, un véhicule gris. Parce que Rancher X, je sais pas trop ce que c'est. Et il peut être un petit peu n'importe où. Non, c'est pas ça. Voilà, on va couper en mode discretos. Comme ça, là, tu sais pas que je suis là-bas, tu sais pas où je suis. Le rayon d'action, il est immense. Je sais pas s'il a pu se barrer sur l'autoroute. Ah, ok. Il a été vu au-dessus par une caméra de vidéosurveillance. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va mettre le petit J. Hop là, petite intersection, c'est passé. Ok. Il serait là-bas. Alors, vu qu'on prend un petit peu de risque. Hop là, petite intervention. Normalement, il serait sur la droite. Le script là, il est... Ce serait pas ça? Une voiture grise, attendez. Non. Ok, merde, il serait retourné de l'autre côté. Ok. Il serait retourné de l'autre côté. Alors, où c'est qu'il est? Il serait retourné ici. Peut-être la voiture grise devant, là. Non, c'est pas ça! Oh, je me suis trompé! Ça m'énerve, ce jeu. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais changer de vue. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, LSPD FR, on peut jouer à la manette. C'est juste que moi, à la manette, j'arrive pas. On va juste faire ça. Tac, comme ça, on coupe les gyros. Je pense que c'est la voiture grise qui était devant moi, à mon avis. On va aller voir ça, si la plaque correspond. Attends, t'es sûr que c'est pas ce qui est devant? Attendez, on va juste regarder si c'est pas ce qui est devant nous. Merde, c'est pas du tout 456. Allez, go. On retourne de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, hein. Double espace, pour ceux qui regardent les vidéos Arma 3, c'est cadeau. J'ai fait un petit double espace. Ok, ça passe. C'est quoi la voiture grise, du coup? Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Ok, c'est le 4x4. À mon avis, c'est le véhicule qui est devant nous. Attendez, c'est pas ça que je veux faire. 456. Oscar pour BAC 62, j'ai le véhicule devant moi. J'ai retrouvé le Rancher XL, le véhicule est devant moi rue Clémenceau pour information au niveau du lycée Jeanne d'Arc. Ok, je pense que le véhicule est en train de prendre la fuite. Je vais procéder. Oh, ok, je pense que le véhicule est en train de partir, début de la poursuite. On est en train de redescendre rue Victor Hugo. Ok. J'ai signalé à la personne que je voulais. Ok, début de la chasse, Oscar, pour information. Véhicule refus le contrôle. Arrêtez-vous! Début de la chasse. Besoin de renfort. On est. Rue Germaine, Lompré. On passe la rue Pierre et Marie Curie. Attention, tellement de rues françaises dans cet épisode. Besoin de renfort. Plus, juste pour un vol d'essence, c'est tellement n'importe quoi. Ah, ils sont là. Il y a les collègues de la police nationale. Ils sont là. Vas-y, collègues. C'est tellement stylé, j'étais... Oh putain, c'est terrible. En avant. Début de la poursuite, ça tapait. C'est un cinglé dans le 4x4, je sais pas qui c'est. Ok, on a failli perdre un collègue. Ok, je suis derrière le 4x4 pour la fuite. Le mec, genre, il a volé pour 20 euros d'essence. Enfin, limite, on dirait que c'est un terroriste.
Quand tu vois les... Quand tu vois les... Quand tu vois les risques qui sont pris, c'est n'importe quoi. Depuis les flics qui sont avec nous, là, c'est terrible. Hein. C'est excellent. Hein. Ok, je suis au cul de la bagnole pour information. Oh! Ok, la voiture a failli me taper, je suis toujours derrière. Besoin de renfort, Oscar, sur ma position. Ok, oh là 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 là, c'est tellement violent. Ok, le collègue il me pousse. Allez-y les gars! Moi je les laisse faire, hein. C'est tellement drôle. Regardez! Qu'est-ce que tu fais? Oh là là! Les flics ils sont aussi cinglés que les PNJ dans ce jeu. Bam! Allez les gars! C'est n'importe quoi! En fait, si je l'arrête pas moi-même, ils vont tuer tout le monde, hein. Tout le monde va crever, hein. Ils vont tuer femmes, enfants et tout. Hein. Voilà, hop. Eh, arrêtez-vous! Monsieur! Arrêtez-vous, c'est la BAC! Putain. Monsieur! S'il vous plaît, arrêtez-vous! Ok, go, on descend, interpellation! Interpellation, tu sors de ta voiture! De suite, tu sors de la voiture, au sol! Au sol! De suite, tu te couches au sol! C'est la BAC! Ok, le collègue est interpellé, enfin la personne interpellée ne semble pas armée. Switch sur le taser. Ok, merci pour le renfort. Ok, la situation est bloquée. Parfait. Parfait, parfait. J'ai procédé au menottage. Je procède au menottage. Donnez-moi vos mains, monsieur. Menottage en cours. Besoin d'un fourgon pour venir rechercher la personne, s'il vous plaît. Parfait, les gars. Parfait, parfait. Oscar, fin d'intervention. Nous avons réussi. Oh là là. Oh le violent. Oh le violent. Oh le violent. Il y a eu tellement d'accidents pour 20 euros d'essence. Oh là là, tu me fais rêver, tu me fais rêver. Regardez-moi ça. Bon séjour, monsieur. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Attends, on va couper. Couper cette merde là. Giro. Top. Oh là là. Ah ouais, c'est insane. Hop là, on va appeler une petite dépanneuse, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et le serveur Arma 3, il va switch pour se rapprocher un petit peu de ça. Sauf qu'au lieu de jouer avec de l'IA, on va jouer avec des joueurs. Voilà ce qui va se passer sur le serveur Arma 3 dans quelques semaines. Piou, piou, piou. Toi, si tu m'insultes, je te mets en prison et puis je m'occupe de toute ta famille après. Bon, besoin d'une dépanneuse pour BAC 62, on a un 4x4 à venir rechercher, s'il vous plaît. Merci. Reprise de patrouille pour BAC 62 pour information. A plus collègue. Le mec est dans le car. C'était J. Voilà, parfait. Non. Sniff, 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 sniff. Oh, c'est insane, rage, les gars. C'est insane, ça bug tout le temps. De retour de suite. Cool. Rue, donc on se retrouve du coup sur le service de nuit. Parce que bon, malheureusement, j'ai fait un malaise, j'étais à l'hosto et du coup, on repart en service de nuit tranquillement. Et on repart de suite sur une course de rue illégale. Alors, véhicule compatible ELS. Du coup, vous allez voir la nuit, ça devrait se refléter sur tout le jeu, ça devrait être magnifique. Donc là, on part sur une course de rue illégale. On va mettre le gyro, ce sera plus simple. Ok, les gars sont au-dessus, on est parti. La BAC chasse. Ah déjà, il y en a un qui est planté ici. Mais lui, il est à l'arrêt. On va plutôt prendre son petit collègue. Besoin de renfort sur ma position. Et on va plutôt aller chercher l'autre. On va aller chercher l'autre. Ok, nice. C'était chopé. Donc, deuxième voiture modée. Hein. Les deux voitures là sont des... Oh, il a des petits néons, c'est joli. Ça fait bien Jackie Tuning. Allez, arrêtez-vous! Alors, comment ça va se terminer, ce bazar-là? Ok. Ça part. Vas-y, collègue! Oh, c'est beau. Ça a tenté une sortie de route, le véhicule... c'est parti, rue Charles de Gaulle. Attention. On arrive à un carrefour.
Est-ce qu'on a des renforts derrière? What the fuck? Tellement de puissance dans ce véhicule. Ok, c'est bon, c'est tranquille, je sors. Je sors. Allez, on contrôle. Attention, suspect sort du véhicule. Ok, GG. Alors là, le trait rouge que vous voyez, c'est le taser. C'est bon, les gars, c'est bon, c'est géré. Ok, GG, je passe sur le taser. Vas-y, tu peux le menotter, Benoît. Vas-y, nice. Ouais, j'ai donné des noms au PNJ, je trouve que ça fait plus joli. Et ça, c'est Franck. Voilà, Benoît et Franck. Ils sont ensemble dans la vraie vie, en fait. Donc voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Bon, bah, les gars, à plus. Amusez-vous bien. Je vous le laisse. Et on est reparti. Ça part en fourrière. Attendez, je vais mettre ça sur mon côté. Hop, voilà. Oh là, c'est un petit bordel. Regardez-moi comme c'est joli. Ça se reflète sur absolument tous les bâtiments, les arbres, les voitures et tout. C'est vraiment stylé, ELS. On va se mettre sur le côté. Je crois que c'est ELS qui fait ça, si je dis pas de conneries. Hop, voilà. Nous, on va se mettre ici. Et on va appeler une dépanneuse pour la voiture. Faut aller la chercher. Voilà. Mobot, il est déchaîné. Mobot, c'est un vrai bot en plus. Hein, donc, ouais, à mon avis. Alors, attention. Est-ce que ça crache? Oscar a besoin d'une dépanneuse sur ma position, s'il vous plaît. Bac 62 a besoin d'une dépanneuse, merci. Et normalement, une dépanneuse devra arriver et chercher la voiture. Eux, on va les laisser gérer. Ils se démerdent avec. Ok, il y a un collègue qui est là. Ah, je me suis bien démerdé, n'empêche, niveau modding. Hein. Il y a 2, 3 skins de police. Bon, ça, c'est pas un skin de police, mais ça fait une voiture modée. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a peut-être des bugs. J'ai peut-être trop de véhicules modés, et du coup, ça fait des petits trucs un peu chelous. Bon, Bac 62 reprend sa patrouille, les gars. Chacun sa merde, chacun son chemin. Passe ton chemin à ton voisin. Allez, hop, on est reparti. Patrouille de nuit. Ah, un collègue a besoin de nous sur un trafic bec. La voiture est tellement belle. Attendez, on va juste faire un truc pour qu'elle soit encore plus jolie. Voilà, je l'ai réparée. Quoi qu'elle était pas vraiment abîmée. Hein. Oh là là, mais elle est vraiment magnifique. Hein. Elle est superbe. Bon, allez, go. On est parti, on va aller aider le collègue là. Qui a besoin d'aide sur un trafic backup. Donc il a besoin de renfort. Voilà. On va faire ça. Et là c'est... Attention, faut pas être épileptique quand tu joues à l'Speedy FR. Alors voyons voir. C'est là. Voilà. Petit doton pour passer. C'est bien parce que je l'ai aussi sur R en mode klaxon en fait. Donc je peux... ouais, apprendre à conduire. C'est là. Ah bon, on retrouve la dépanneuse justement, tiens. Allez, mets-toi sur le côté. Okay. Par contre, c'est chaud à une main de conduire. Ok, c'est bon. On va mettre ça. C'est super chaud de conduire, donc avec ZQSD, et en même temps d'appuyer sur une autre touche, et en même temps de gérer la souris en fait. C'est vraiment galère. Mais je crois qu'à la manette, c'est compatible, mais c'est un peu plus galère à la manette. Ok. Bac 62 arrive sur les lieux du backup officier. Hein. C'est reçu. Oh là là, c'est... Regardez-moi ça, comment ça clignote de partout. Bon, on va aller voir ce qu'il veut. Putain, c'est incroyable d'avoir besoin de bac pour faire ça. Yo, collègue. Oh, collègue, je crois... On est d'accord. Ça part. Refus d'obtempérer, on est parti. Bac 62 part en chasse avec le collègue. Ok, on est sur du contresens. Ok. On est parti. On a du bol qu'il y ait personne et qu'il fait nuit. Sinon, à mon avis, ce serait un vrai bordel. En avant. La voiture qui est bridée. Je suis à fond. On va y arriver, les gars. Vous inquiétez pas. Nous allons y arriver. Ah, la voiture est magnifique, Max. Je suis d'accord avec toi. Elle est superbe. Ok. Ok, nice. Ça a tapé. Ok, la personne sort de l'autoroute, sortie 6 sur la 1. On est derrière, pour ceux qui connaissent l'1, bien évidemment ça ressemble pas à ça. Ok, ça tape et c'est stoppé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le suspect est sorti. Suspect tasé, il est au sol. Suspect tasé. Ok, on fait gaffe de pas se faire taper par d'autres voitures. Besoin de renfort sur notre position. C'est assez dangereux. Vas-y, collègue, fais-moi arriver. Non! Ah si, c'est bon.
C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parfait. Ok, GG, collègue. GG, GG. Tu me rends fier, collègue. Parfait. Suspect appréhendé. Véhicule stoppé. C'est beau. Donc ça, on appelle une dépanneuse. Ça, ça donne pas mal au crâne, tout ce bordel, là. C'est agréable, non? Tout ce bordel, vous trouvez pas? Bac 62, la base. Tiens, tu sais, la bac lance. C'est tellement plus agréable. C'est tellement plus agréable. Parce que c'est vraiment un bordel avec... Oh là là, c'est insane. On va se barrer d'ici parce que... Ça fout vraiment un bordel de fou. Bref! Fin de vidéo YouTube, on cesse là-dessus pour le petit épisode en bac avec cette petite voiture fort magnifique. La voiture sera en description comme d'habitude. YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. C'était BAC 62, qui n'est pas immatriculé dans le 62 d'ailleurs, vu que ça c'est un véhicule ricain. C'était donc la Ford Fusion Titanium, véhicule que je ne connaissais pas, qui est magnifique. Je le préfère à la version Mondeo. Après, voilà, les goûts et les couleurs, hein, t'aimes, tu sais. Et surtout, avec le mode ELS, elle est vraiment magnifique. Vraiment, 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 vraiment magnifique. Ça clignote de partout. Haute poursuite. Ok, et là, il y a une poursuite sur un tracker. Ça va être magnifique. Bref, fin de vidéo. Bisous. Tchou tchou.